Voilà, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, 14 février, et en fait je me suis offert une journée d'amour. D'amour tout court, voilà. Pas d'amour avec mon amoureux, mais d'amour avec moi d'abord, parce que je pense que, en tant que voilà, Julie Duchemin et fondatrice de l'Académie des Arts de l'Amour, l'amour ça commence par soi. Alors je suis chez Jean Mao, photographe et photothérapeute. Vraiment, il pratique la photothérapie. Vous voyez derrière moi d'ailleurs certains de ses portraits. Et aujourd'hui, j'ai passé la journée avec lui. Waouh! Une journée cadeau, justement. Une journée cadeau. D'ailleurs, vous voyez, j'ai été maquillée, coiffée par la maquilleuse avec qui il travaille. Je suis venue avec voilà, une série de vêtements, avec ma valise ici. Et on a travaillé dans le studio, voilà, qui se trouve ici en haut. Voilà, peut-être qu'après, j'irai vous montrer le studio. Avec Jean, qui est justement là en train, eh bien, de regarder à l'écran certaines des photos qu'on a faites ensemble. Et il y a vraiment tout un processus. Depuis ce matin, on fait un shooting et puis ensuite, on regarde le résultat. Et de me voir évoluer, de voir cette autre Julie, ces autres Julie, il y a quelque chose d'assez fort. Et par exemple, voilà, je vous dévoile en avant-première voilà, certaines des photos du travail avec Jean. Alors Jean, justement, il se trouve à côté de moi. Mais est-ce que tu peux nous dire bonjour? Bonjour, Oh, bonjour tout le bonjour, nous on monde. a passé la journée. Voilà donc Jean Mao qui a été photographe pendant des années, photographe de mode, qui a travaillé avec les plus grandes stars à New York notamment, et qui aujourd'hui se consacre à aider les femmes principalement. N'importe quelle femme qui téléphone, qui a besoin d'un soutien visuel, on va dire, qui parle plus que les mots parfois. Et puis on s'amuse. C'est une journée plaisir pour commencer. On se découvre petit à petit au fil de la journée, Voilà, comme comme sur cette ici, voilà. image ici, je ne sais pas si on voit bien là avec l'écran. Ça, Wow, l'évolution. c'est une Julie. Et puis nous avons une autre Julie un peu plus papillon. Et puis là, on va uniquement dans l'émotion. On est en noir et blanc. On change d'univers. Et puis, on a beaucoup, beaucoup de Julie, évidemment. Je vais vous en montrer une autre quand même. Quel Hop. bonheur, voilà, justement, d'aller découvrir comme ça d'autres facettes de soi. Et je pense que vraiment, d'ailleurs, vous voyez ici derrière encore d'autres portraits de femmes. Pour chacune, ça n'a pas été facile. Il ne faut pas croire que c'est facile de prendre la pose, hein, Jean. C'est vraiment un processus, c'est une transformation. Je parlais de chenilles et de papillons. Beaucoup de femmes ici se transforment en une journée. Elles prennent confiance et elles s'autorisent à être elles-mêmes, en fait. Tout ce qu'elles avaient peur de faire, d'assumer. On rééquilibre un petit peu tous les droits qu'elles ont. Elles peuvent être jolies, elles peuvent être sexy, elles peuvent être intelligentes, elles peuvent être tout ce qu'elles veulent. Il ne faut pas qu'une partie mange l'autre. Donc c'est OK d'être jolie, il ne faut pas mal s'habiller et avoir peur de se faire draguer. On peut être forte, on peut être intelligente. Et tout ça va se voir à travers les photos parce qu'il n'y a pas Photoshop et on ne sait pas mettre d'intelligence à Photoshop de toute façon. Voilà, donc toi, Mais tu voilà, tu transformes pas les images, tu utilises justement la femme telle qu'elle est. Avec la lumière du jour, avec voilà effectivement une préparation. On choisit aussi une robe. C'est pas un défilé où on choisit une tenue qui révèle quelque chose. Voilà, c'est vrai que ça c'est une et très voilà. très belle photo que Et Jean a là, prise de moi et qui voilà qui exprime. c'est la folie de Julie. C'est la partie folle de Qui a Julie, dit que j'étais folle? mais qui a le droit d'être visionnaire, d'être rayonnante, de se projeter dans l'avenir avec plaisir. Et ce petit grain de folie qui la rend particulière, comme chaque femme a un petit quelque chose qui la rend spéciale. Donc il faut pas se tracasser. Hein. On trouve tous les éléments en une journée et on découvre beaucoup, beaucoup de choses sur soi-même. Voilà, donc moi, je vous recommande, mais alors très, très, très chaleureusement, de découvrir d'abord le site internet de Jean Mao, phototherapie.be, et ensuite de vous offrir ce cadeau, vraiment parce que c'est une journée dans votre vie, une journée qui risque probablement de changer votre vie, changer votre regard dans la bienveillance, dans la liberté, dans la joie. C'est une journée pour se chouchouter, pour prendre soin de soi, pour voilà, pour découvrir ou révéler d'autres facettes de vous. Alors sur ce, je vous souhaite une belle Saint-Valentin. Une bonne Saint-Valentin à tout le monde, tous les hommes et toutes les femmes. Voilà, Voilà. plein, plein, plein d'amour. Merci Jean. Merci d'être venu. Au revoir.